Hi, I'm the potty. Come on in. Hi, potty. I need to pee. Pull down your pants, yes. Now your underwear. Sit on the potty and pee, yes, pee. Pee slides down the potty. Wee, 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 wee. Potty, nice to meet you. I'll use you again. Meet the potty, meet the potty, meet the potty. Come on in. Hi, potty. I need to poop. Pull down your pants, yes. Now your underwear. Sit on the potty and poop, yes, poop. Poop goes down the potty, poopy, poopy, doop. Potty, nice to meet you. I'll use you again. Meet the potty, meet the potty, meet the potty. Use the potty, use the potty, use the potty. I go potty, I go potty, I go potty. C'est une superbe journée pour jouer dans le bac à sable. Haha, Groovy, il est très mignon ce crabe. Qu'est-ce qui sent si bon? Ce doit être vraiment délicieux. Attention, Groovy! Oui! Du brocoli! C'est ça qui sent si bon! Non, Groovy! Attends que tout le monde soit assis à table! Pourquoi tu ne vas pas chercher Phoebe? Phoebe, le déjeuner est prêt! Dépêche-toi parce que Groovy a très faim! Groovy, tu vas devoir aider Phoebe à se défaire de tout ce sable. Ah, ah, ah. Je crois que ça ne suffira pas. Je pense que ces transformations ne feront pas l'affaire. Une minute. Celle-là-ci, une pelle, c'est exactement ce qu'il nous faut. Dis donc, tu cours vite, Groovy. Tu dois vraiment avoir très faim. Qu'est-ce qu'il y a, Phoebe? Tu n'aimes pas les brocolis? Mais c'est très bon, les brocolis. Pas vrai, Groovy? C'est la part de Phoebe, ça. Phoebe, les brocolis, c'est bon pour la santé. Tu ne veux pas goûter? Je suis sûr que tu vas aimer. Pops, tu m'aides à lui expliquer pourquoi c'est si important de manger des fruits et légumes? Manger des fruits et légumes, comme le brocoli, c'est très important pour notre santé. Les fruits et les légumes sont notre principale source de nutriments. Ce sont eux qui nous rendent forts et nous aident à devenir très grands. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Groovy en mange plus que ça. C'est sûr. Et vous, les enfants, vous mangez des fruits et légumes tous les jours? Phoebe, tu ne vas même pas goûter un petit bout de ce délicieux brocoli? Allez, juste un petit morceau. Je suis sûr que tu vas adorer. Pas vrai, les enfants? Mince! Phoebe ne peut plus pédaler. Elle est morte de faim. Et oui, comme elle n'a pas mangé ses légumes, elle est à bout de force. Waouh, Groovy! Ces brocolis t'ont donné des super pouvoirs! Ne t'inquiète pas, Phoebe. Il y a toujours une solution.
Mais comment va-t-on rentrer à la maison? Je sais, Groovy peut nous aider. Groovy, tu nous aides? En quoi Groovy doit-il se transformer pour ramener Phoebe et son tricycle à la maison? En bouquet de fleurs? En serpillière ou en grue? C'est ça! Groovy doit se transformer en grue pour pouvoir rentrer à la maison. Très bien, les enfants! Waouh! Avec cette super grue, on sera à la maison en un clin d'œil. Groovy, c'est ton jour de chance. Il y a encore des légumes pour le dîner. Je suis désolé, Phoebe. Allez, goûte. Ils doivent être délicieux. Papa cuisine très bien. Tu vois, je ne mentais pas. Les légumes, c'est délicieux. Je n'en crois pas mes yeux. Phoebe, ça a tellement plu à Phoebe qu'elle a mangé la part de Groovy. Ne t'inquiète pas, Groovy, il y en a encore. Vous pouvez manger autant de légumes que vous voulez. Vous avez très bien mangé. Avec ces légumes, vous aurez de l'énergie pour toute la journée. Quelle superbe journée pour peindre en plein air. Et qu'est-ce que vous allez peindre? Un ballon, une pelle et un seau. Un camion de pompiers et un dinosaure. Vous savez à quelle espèce appartient ce dinosaure, les enfants? Mais vous savez ce que c'est un dinosaure quand même? Non? Pops, on le leur explique? Les dinosaures ont vécu sur la Terre il y a très longtemps, bien avant les humains et même avant les Martiens. Il y a environ 250 millions d'années. Il existait plusieurs espèces de dinosaures, comme le Diplodocus, qui avait un très long cou. Le Vélociraptor, qui courait super vite. Le Tyrannosaure Rex, le plus redouté de tous. Ou encore le Triceratops, qui avait trois remarquables cornes. Alors, à quelle espèce appartient ce dinosaure-là, les enfants? En effet, c'est un Triceratops. Pops, ne me dis pas que tu vas les emmener peindre de véritables dinosaures. Il n'y a que moi qui trouve que c'est une mauvaise idée? Je vois. Bon, d'accord. Direction l'ère jurassique. Oh là là! L'ère jurassique est splendide à cette époque de l'année. Un véritable Triceratops. Ça y est, vous vous êtes fait un nouveau copain. Et vous avez trouvé un nouveau modèle. Vous pouvez le peindre. Ça doit être sa maman. On ferait mieux de rester poli. Demandons-lui si elle veut bien poser pour nous. Madame Triceratops, on est en train de peindre. Vous voulez bien poser pour nous? C'est très aimable, vous. Nos petits artistes vous reproduiront à la perfection.
un tremblement de terre. C'est typique de l'ère jurassique. Faites attention, les enfants. Le pauvre. On doit l'aider à retrouver maman. Mais comment ? Groovy, tu nous donnes un coup de main ? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour sauver ce petit dinosaure ? En raquette ? En ballon gonflable ? Ou en hélicoptère ? C'est ça, en hélicoptère ! Fantastique ! Dépêchons-nous avant qu'il y ait un autre séisme. Super ! Groovy à la rescousse ! Très bien, Groovy, tu as sauvé le petit dinosaure. C'est l'heure de rentrer à la maison. Quelle aventure, les enfants ! Vous avez pu peindre quelque chose ? Merveilleux ! Quels artistes vous faites ! En plus, vous avez aidé quelqu'un qui avait besoin de vous. Je suis fier de vous. Groovy, tu es une véritable œuvre d'art. Quelle belle journée pour apprendre plein de choses à l'école. Et qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui ? Ah, les émotions de base. Pops, on les répète encore une fois ? La joie, c'est quand un grand sourire se dessine sur notre visage. La tristesse, c'est quand une larme coule sur notre joue. Quand on a peur, on ouvre grand les yeux et la bouche. Quand on est en colère, on fronce les sourcils et on fait la grimace. Merci, Pops. Vous les avez bien apprises, les enfants ? Vous en êtes sûrs ? Super ! Alors, vos devoirs pour demain. Vous devez apporter une photo de toutes les émotions que vous avez apprises aujourd'hui. La joie, la tristesse, la peur et la colère. Le jardin, c'est parfait pour prendre les photos. Vous ne trouvez pas, les enfants ? Très bon choix, Phoebe. Le fond de la photo sera superbe. Ouah, Groovy, tu vas enfin pouvoir réaliser ton rêve, être mannequin. Prends la pose. Vas-y, fais-nous la joie. Tu n'as pas l'air très joyeux. Essaye plutôt la tristesse. Allez, Groovy ! Eh ben, ça va être plus dur que je pensais. Pops a une super idée pour faire de belles photos. Provoquer les différentes émotions chez Groovy. Mais chut ! Il vaut mieux que Groovy ne le sache pas. On voit bien que tu as eu peur, Groovy.
magnifique cette photo. Vous avez la première émotion, la peur. Passons à la suivante. Miam, ce brocoli a l'air délicieux. Groovy est super content. Oh non, il n'était pas pour toi, Groovy. Comme tu es triste. Génial. On a eu deux émotions d'un coup. La joie et la tristesse. Il ne nous en manque plus qu'une pour compléter notre album. Oh non, l'appareil photo est cassé. Et voilà l'émotion qu'il nous manquait, la colère. Quel dommage qu'on ne puisse pas prendre une photo de Phoebe, mais... Et si on la dessinait ? Oui, vous pouvez dessiner la colère directement dans l'album. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'avez pas de quoi dessiner ? Je vois. Groovy, tu peux nous aider ? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour pouvoir dessiner dans l'album ? En colis de perles ? En crayon de couleur ? Ou en ballon de rugby ? Oui, en crayon de couleur ! Super ! Super dessin, Phoebe. Et notre album est complet. Vous avez fini vos devoirs. Maintenant, vous pouvez aller jouer. Plus. Vous pouvez être contents, les enfants. Souriez un peu pour voir. Courage, Groovy. Tu finiras par comprendre. Quelle belle journée pour savourer un bon petit déjeuner. Très bien, les enfants. Vous avez tout mangé. Maintenant, il faut se laver les dents. Vous jouerez au ballon après, Phoebe. Vous devez d'abord vous laver les dents. Avoir des dents propres, c'est très important. N'est-ce pas, Pops ? Pour avoir des dents propres et saines, il faut se les brosser après chaque repas. C'est-à-dire qu'il faut se brosser les dents après le petit déjeuner, après le déjeuner et après le dîner. Les enfants, qu'est-ce que vous venez de faire ? Oui, vous avez pris votre petit déjeuner. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Mon Groovy, ce n'est pas le moment de faire du yoga. Après le petit déjeuner, il faut se laver les dents. Allez, qu'est-ce que vous attendez ? Très bien, les enfants. On va se laver les dents. Quelle est la première chose qu'il nous faut ? Bien, Phoebe, une brosse à dents. Et ensuite ? Tu débordes d'imagination, Groovy. Le savon, c'est pour les mains. On se lave les dents avec du dentifrice. Là, c'est mieux. Doucement, Groovy. Tu n'as pas besoin de tout ça.
minutes. Vous êtes sûr de savoir comment on se lave les dents? Et si Pops nous montrait comment on fait? Monsieur, me feriez-vous le plaisir de sourire? Vous devez frotter en faisant délicatement des cercles sur vos dents et vos gencives. Regardez comment fait Pops. Il ne faut pas se limiter aux dents qu'on voit. Frottez aussi celles qui sont cachées. La partie intérieure de la dent aussi. Toutes les dents. Prenez votre temps. 2 minutes, c'est l'idéal. Vous avez compris? Quand vous les aurez toutes bien brossées, il faut vous rincer. Vas-y, Groovy. Groovy, tu as les dents les plus propres de toute la galaxie. À ton tour, Phoebe. Il faut que tu fasses tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Pas si vite, Phoebe. Tes dents sont encore sales. Tu ne les as pas brossées assez longtemps. Elles sont pleines de bactéries. Tu crois qu'elles sont propres parce qu'on ne voit pas les bactéries à l'œil nu, mais je t'assure que tes dents sont pleines de petits monstres. Groovy, tu m'aides à les lui montrer? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour qu'on voit les dents de Phoebe de plus près? En collier de perles? En loupe? Ou en arrosoir? Oui, en loupe. Merveilleux. Voilà les bactéries. Elles sont prêtes à te croquer les dents, Phoebe. Au revoir, petit monstre. Au revoir. Bravo. Bien joué, les enfants. Vous en avez fini avec elle. Maintenant, vous avez les dents fraîches, saines et propres. Quelle belle journée pour faire du sport. Dis donc, Pops, tu m'as l'air fin prêt pour jouer un peu au basket. J'espère que personne ne te confondra avec le ballon. Je crois qu'ils veulent que tu joues avec eux. Il dit que tu peux aller jouer avec les filles, que le basket, c'est pour les garçons. Ce ne sont pas des manières, Pops. Et c'est vrai que ce garçon l'a mérité. On explique à tout le monde pourquoi ce que ce petit garçon a fait, c'est mal? Ce
C'est vrai qu'on a toujours pensé que certains sports n'étaient que pour les garçons et d'autres pour les filles. Mais en réalité, on peut tous pratiquer le sport qui nous plaît, peu importe notre sexe. La seule règle, c'est qu'il faut s'amuser. Très bonne idée, Phoebe. Demande aux filles si elles ont envie de jouer au basket. Attention les garçons, les filles aussi veulent jouer au basket. Et si on faisait une partie tous ensemble? Très bien. Voyons voir. Il nous faut un arbitre. Parfait. Pops sera notre arbitre. Super. Il nous manque quelque chose pour siffler des fautes. Groovy, tu peux nous aider? Les enfants, en quoi Groovy doit se transformer pour que Pops puisse arbitrer le match? En mixeur? En sifflet? Ou en couronne? Oui, en sifflet, très bien. Fantastique, le match va commencer. L'équipe qui mettra 3 paniers aura gagné. Vous avez compris? Phoebe prend le ballon et elle le passe à Cathy. Cathy à Sarah et... Elle marque! Très bien les filles! Eric a le ballon. Il le passe à James, James à Victor et... Un panier pour les garçons! Ça c'est du sport! Match nul! Les filles prennent la main. Phoebe a le ballon et elle le lance. Quel panier ! Magnifique ! Les garçons ont le ballon. Eric se lance. Phoebe lui prend le ballon. Faute! C'est une faute d'Eric! Phoebe a maintenant l'occasion de gagner la partie. Allez Phoebe, tu peux y arriver! Phoebe se prépare au lancer. La concentration est à son comble. Elle lance et... Panier ! Les filles ont gagné le match ! Bravo ! Vous voyez, c'est amusant de jouer ensemble, les filles et les garçons.
à n'importe quel sport. Quel beau panier, Groovy. Voilà, journée pour piquer une tête. Good swim. Je vous avais mis de la crème, les enfants. Très bien. Groovy, tu ne peux pas te baigner sur tes brassards. C'est dangereux. Mais ça, qu'est-ce que c'est, les enfants? Mais oui, on dirait une bouée en forme de licorne. On va devoir le voir pour en être sûr. Tu n'arriveras jamais comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Phoebe? Tu n'y arrives pas? Ça ne m'étonne pas. Il est trop grand, il te faut un gonfleur. Merci, Groovy. C'est une licorne gigantesque. C'est parfait, Phoebe. Elle a assez d'air. Hey, les enfants, les enfants. Les enfants, vous ne pouvez pas aller dans l'eau sans brassard. Les matelas gonflables peuvent être dangereux. Vous seriez plus en sécurité si vous mettiez vos brassards. All right, bon, d'accord. Restez dans l'eau, mais au bord. Stay on the shore. Super journée pour faire une bonne sieste. Oh non, on s'est endormi. Les enfants, il faut qu'on fasse quelque chose. Sinon, on va couler. Et vous n'avez pas vos brassards. Quoi, tu peux nous aider en bosse? Children, les enfants, en quoi Groovy peut se transformer pour qu'on ne coule pas? En chaussures? Un petit bateau? Ou un crayon à papier? Oui, un petit bateau! Fantastique! Dépêche-toi, Phoebe. La licorne se dégonfle très vite. Voilà. On va la remorquer. On pourra peut-être la réparer. Phoebe, je ne sais
savais pas que tu étais une si bonne capitaine. Ouf, quel frayeur. Heureusement que tout s'est arrangé. Les enfants, promettez-moi qu'à partir de maintenant, vous vous baignerez toujours avec les brassins. Et n'irez pas trop loin. Yeah.